ans quand je me suis mariée. Mais ce n'était pas par amour. Votre époux est un saint, et nous devons tous le chérir pour le bien de la Russie. L'amour romantique sera la dernière illusion de l'Ancien Régime. Tu connais le comte Vronsky, Stepan ? Oui, c'est un riche et séduisant officier de cavalerie. Dansez avec moi. Anna, il faut que je te mette en garde. Moi, pourquoi ? Par ton inconséquence, tu risques de devenir la cible de mes 10 ans sans société. Il faut que cela cesse. Laisse-moi en paix si tu as le plus infime respect pour moi. Il n'y aura plus de paix entre nous. Seulement la souffrance et le plus grand des bonheurs. C'est dans cela l'amour. Nous avons été unis par Dieu. Et ces liens ne peuvent être brisés que par un crime contre Dieu. Que s'est-il passé ? Tout va mal. Tout. Je commettrais un grave péché si je t'aidais à te détruire. Céder au désir sensuel pour le plaisir est la perversion d'une notion sacrée. Un homme incapable de gouverner sa femme ne peut pas aller très loin dans un gouvernement. Anna n'est pas une criminelle. Elle a malgré tout enfreint les règles. Quitte ton époux. Et ma vie ! Elle va tout perdre. Crois-tu que je te laisserai emmener mon fils ? Tu es une dépravée. Une femme sans honneur. Est-ce réellement ce que tu veux ? Sais-tu ce que tu veux ? Je t'aime. Pourquoi ? Sache que l'amour est inexplicable.